Madame, je sais qu'on ne fait pas faire mal. Non, non, ma chérie, continue. C'est pas toi le problème. Aïe. Aïe. Madame, je sais que vous n'avez pas fait mal. Non, non, c'est pas... Continue, ma chérie. Aïe, merde. Allô, ma copine. Oui. J'ai dit à maman, les cristaux de menthe, on utilise ça comment? J'ai mis un demi-flacon. Tu avais dit combien? 2 grains. Oh yo, je suis morte. Oh, je suis en train de me travailler. Ça chauffe. Ouh. Ah, non. Ça chauffe. Et je fais comment maintenant? Hey, qui est madame? Ouais. Ouh. Madame, c'est quoi? Je vous ai entendu parler du cristaux de menthe là, madame. C'est quoi le problème? Tout mon corps, tout mon être chauffe, maman. Pardon, vous pouvez m'aider. C'est quoi, maman? Hey, les cristaux de menthe, maman. J'ai pris tout ton flacon. Tu as pas mis ça? J'ai mis là-bas. Tu as mis ici? Oui, c'est pour pimenter. Non. Ouh. Ma chérie, le cristaux de menthe que tu vois ici là, c'est uniquement pour soulager le rhume. Le rhume et la toux. Moi-même, aujourd'hui, je ne pouvais même pas venir au travail. Depuis pratiquement 3 jours, j'ai le rhume et la toux. Et c'est le cristaux de menthe qui m'a soulagée. Tu prends uniquement un seul grain, ma chérie. Tu mets dans une eau vraiment bouillante. Tu aspires bien ça, et ça te soulage. Comment tu peux prendre le cristaux de menthe pour utiliser là-bas, maman? Oh, gof, gof. Comment vous, les filles, vous êtes comme ça? Ouais. Donne-moi un peu l'eau, s'il te plaît. Maman, on n'a même pas l'eau ici. Il n'y a pas l'eau. Non, maman, tu vois, c'est mal à l'hôpital pour un gynécologue. Tu as fait comment? Je suis morte. Hé, hey, donne ses chaussures. Ouh, Noël, donne ses chaussures. Ouh. Prends ton téléphone, maman. Oui, oui. Non, ne tiens pas mourir ici. Fou, non, lève-toi, maman. Hé, hey, assieds, maman. Oh. Maman, hey, prends ton téléphone. Prends ton téléphone, maman. Lève-toi. Allons, va à l'hôpital. Oh, tu es morte. Non, maman. Ouh. Ouais, maman, assieds. Oh. Assieds, maman. Maman, quand tu vas écouter ma part d'histoire, non, c'est plus pire que grave. Cette histoire de cristaux de menthe que tu entends, la dame s'y pleure comme ça là. Moi, ça m'a fait perdre un homme qui me donnait 100 000 tous les 2 semaines. Il me traitait comme une reine. J'avais tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin. Maman, ma copine m'a conseillé, maman, que l'histoire-ci. Ça t'a fait perdre l'homme comment? Tu as utilisé ça comment pour perdre l'homme? Ça a quoi y voir avec l'homme? On met dans sur la langue, on utilise quelques glaçons pour faire l'histoire que tu connais là. Hein, ma copine? Maman? Quel ouais, maman? Hé! Hey, Sophie. Je t'ai dit que j'ai fait quand même avec conseiller. J'ai mis quelques grains, j'ai pris les glaçons, j'ai mis. Et quand j'ai commencé, j'entends ouyou ouyou. Il dit qu'il est sorti en courant comme s'il avait vu le diable. Il dit que même sans s'habiller. Je demande, hein, maman. Tu es gynécologue pour conseiller à une femme d'utiliser ou à un homme prendre ça l'utiliser avec un homme. Tu es gynécologue, c'est ton domaine. Pourquoi vous ne pouvez pas rester dans votre cadre? Vous aimez toujours déborder vos cadres, maman. Donc ceux qui partent à l'école pour être médecin là, ils sont fous. Tu peux utiliser ça sur un homme, maman. Maman, laisse-moi comme ça, maman. Laisse. Et conseille tes femmes. Cristaux de menthe, cristaux de menthe, il va changer ta vie. Tu as 100 000 tous les 2 semaines, tu auras 300 000. Maman, je viens dire que je pleure. Et il m'a bloqué partout. Il dit à son ami que la gola, il voulait me tuer. Maman, Noël, pardon, occupe-toi de les pas. Mais vous m'avez dépassé. Ma chérie. Tu sais, moi je viens ici au salon chaque fois que je te vois. Tu es une belle petite fille. Comme tu écoutes, nous on parle là. N'essaie jamais ça. Sois toujours naturelle comme tu es naturelle là. Je te dis, les conseils des femmes, dès que tu vas dire à ta copine que oh, mon homme fait ceci, elle va te conseiller un truc là, tu vas aller pratiquer, maman. N'essaie jamais, tu as compris? Oui, madame, j'ai compris.